Bonsoir à tous les amis, c'est Valmore 333 et on se retrouve ce soir pour la suite de nos aventures sur les Sims 4. Et je constate, je ne sais plus pourquoi, il avait dû sortir dehors, je ne sais plus pourquoi faire. C'était peut-être parce qu'il y avait eu la convention geek, je ne sais plus. Ça fait déjà une semaine, j'ai eu le temps de tout oublier. Je me rappelle qu'il avait fait une vidéo, un vlog confiant, si mes souvenirs sont exacts. Oui, c'est ça. Il nécessitait un petit peu de modification. Hop. Continue de modifier cette vidéo pour que la qualité s'en ressente. Quelle est la qualité de la vidéo? Bonne. Je crois qu'on n'obtiendra pas mieux que ça pour l'instant puisqu'on n'a pas le niveau. On va la mettre en ligne. Ça va nous rapporter de la notoriété tout ça. Je réponds aux commentaires en même temps. Tous les jours pour chaque vue. Le père hiver est là. On lui avait déjà quémandé un cadeau, si je dis pas de bêtises. Mon mur de notification est plein. Je vais le vider immédiatement. Combien? 175 abonnés. C'est toujours bon à prendre. Tac. J'en suis où au niveau de... Ouais, ça décolle pas des masses. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Périver? Arva. Oh. Mon adobe. Et si on en profitait? Ouais, j'ai pas encore assez de thunes, mais on va bientôt mettre la machine à laver, le sèche-linge. Bon, la journée de l'hiver devrait être une réussite. Va pisser. Et puis après, tu vas aller dormir. Puisque je suppose que le lendemain, il doit travailler. Tout à fait. C'est l'une des premières fois où on va enfin pouvoir aller vraiment travailler. Puisque je vous rappelle qu'aux épisodes précédents, et surtout à l'épisode précédent, nous avons terminé nos études. Les amis, je vous invite à aller voir cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Et à revenir sur celui-ci ensuite. Allez, va te reposer. Le père hiver va camper chez moi pendant encore quelques temps, à moins que... Oui, il est là. Il utilise mes toilettes. C'était une réussite, c'est parfait. 500 points... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des tremblements de terre ici. Terrifié par les tremblements de terre. On peut changer, hein, si on veut. Ça t'a réveillé, du coup? Oh bah non, rendors-toi. On va le changer ce truc parce que c'est désagréable. Tac. On va mettre à la place... maîtriser rapidement les arts domestiques, le bricolage, le jardinage. Bestiole grouillante. Il y a des trucs, je me demande bien pourquoi les gens pourraient mettre ça en fait. Pour faire de l'exercice, ça c'est intéressant. Je pense qu'on peut en avoir besoin. Si on se met un appareil pour faire du sport notamment. Convivial, spacieux pour pratiquer plus facilement les compétences comme le charisme, la comédie et malice. Ça va aussi avec notre carrière, donc on prend effrayant, ensoleillé, heureux ou inspiré. Fantastique acoustique pour les musiciens, la fée généreuse c'est toujours intéressant. L'internet rapide, on a la fibre. Et ça, on le mettra, mais quand on aura pris un peu plus de célébrité. Comme ça, on n'a plus de tremblement de terre. Parce que c'est un peu désagréable. Allez, dors maintenant. Surtout qu'il va pas avoir une très longue nuit. Réveille-toi. Ok. Est-ce qu'il te reste des restes? Ouais. Nickel. On va laisser les décorations jusqu'à ce que ce soit le nouvel an, les amis. Puisque c'est ce qu'on fait aussi dans la vraie vie, de toute façon. Il y a même des gens qui laissent leur sapin chez eux jusqu'à fin février, donc...
Ou en tout cas fin janvier. Allez, t'as plus le temps, c'est l'heure du travail. Comme ça t'évite le coma alimentaire en plus. Voilà. Une de mes conquêtes. Faudra qu'on aille visiter son appart, j'ai jamais vu. Lui aussi est sur deux étages. J'avoue qu'il est sympa aussi son appart. Où est-il? Ah non, c'est les droits d'auteur. Tout va bien. 149 balles par jour, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il dit? A besoin de se divertir. Oui. C'est la première chose que tu vas faire en rentrant. Enfin non, c'est pas la première chose. Voilà. Ouais, 824 hein, quand même. Hein. Fantastique performance au travail. Ah oui, effectivement, oui. S'entraîner au pas avec d'autres Sims. Pff, oh, c'est chiant. C'est chiant. Comme tâche du jour. Bon, la télé fait remonter un peu son divertissement. Voudrais-tu aller un rencard avec moi? On peut dormir là-bas? On va le tenter, mais... Il a grandement besoin de se reposer. J'avais du courrier, il faudra que j'aille voir. Il y a peut-être la réponse de mes bourses. Même si ça m'étonnerait. Quel est cet endroit? C'est très charmant. Il y a même un labyrinthe. Faire manger de la neige, amigo. Tu vas bouffer de la neige. Et ce soir, tu vas chier tes dents. Est-ce qu'il y a des... Oui, parce qu'il a grandement... Regardez cette position, cette posture. Oh là 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 là, ça mériterait une miniature. Hein. Mais il a besoin d'aller grandement aux toilettes. Il a une envie pressante. Par contre, le piano à queue, pour lololo. J'ai le droit au moins? J'ai le droit d'utiliser les toilettes? Non, j'ai pas le droit, hein. Il y a des toilettes en bas. Il y a des toilettes en bas, donc tout va bien. Sachant que quand c'est eux qui proposent le rencard, on n'a aucune idée de comment ça se passe. Cela mènera. Ok. Est-ce que j'ai le droit de dormir dans un endroit? Parce que là, à moins que je m'achète, hein, mais ça va me coûter encore la peau du cul, ça. Hein. La potion de sommeil. J'en ai marre de dépenser dans des potions de sommeil. Allez, bois. Bon, elle est passée où, machine? Voilà. Bah, elle est où? Si je fais aller ici ensemble, ça va la faire revenir. Oh, il y a un fantôme. Ah, la couleur dans les Sims 4, les amis, la couleur des fantômes définit la façon dont ils sont morts. Et le rose, je ne sais plus ce que c'est. Elle est morte d'amour, peut-être. On pourrait aller discuter avec elle. J'aimerais bien mon rencard. Ah, elle est là. Je l'ai retrouvée. Dragon-là un petit peu. Il va la saluer, bien sûr. Ah non, il fait même pas le salut militaire.
avouer son attirance. Le classique, j'ai envie de dire. Suffisamment pour la faire devenir enjôleuse. Le bisou suffit d'habitude. Ce rencard est de mieux en mieux. Eh ben on va continuer alors. On va lui faire la petite blague perso sur Emmanuel Macron. Ah non, c'est celle-là, la petite blague sur Emmanuel Macron. Complimenter la tenue, parce qu'on fait pas que des choses d'amour, bien entendu. Je crois que je sais déjà tout d'elle. Lui demander comment s'est passée sa journée. Ouais, je crois que je sais tout sur elle. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et j'ai pu faire connaissance, bien sûr. C'est quoi le truc avec la tenue de l'armée? S'entraîner au combat. Tenter de recruter dans l'armée. Et je peux faire ça maintenant que je suis sergent minor. Bon, je vais le laisser terminer ses... Ouais, voilà. Je me disais, il était bloqué. Elle est geek. Ok. Essayer d'en apprendre un peu plus. Il a faim maintenant. Oh là 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 là. J'ai pas le droit d'accéder. Et elle est soignée. Ok. À qui on peut parler pendant des heures? On a le sentiment en adoration. Merveilleuse. Ok. Ouais, c'est cool. C'est cool, j'ai envie de dire. Murmurer suavement. Un petit massage. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut faire des choses ici? Le buisson! C'est parfait. Allons-y. Un buisson suffira amplement. Surtout en cette journée. Ah, j'ai même pas le droit. Je n'ai même pas accès au buisson, malheureusement. Quel dommage. De toute façon, le rencard va être terminé d'un instant à l'autre. J'ai passé un fantastique moment avec toi. On se revoit bientôt. Tu viens de devenir bon ami de Théoné. Ah, parce qu'on l'était pas? Âme sœur. Bah écoutez. Parfait. Je peux rentrer chez moi maintenant. Merci. Joie du rencard. Bon. On sait pas trop dans quel état il était ce rencard, mais on s'en fout. C'est pas nous qui avons gagné le saut VIP. C'est probablement elle, pour le coup. On aurait très bien pu rentrer ensemble, mais bon. Le jeu est tel qu'il est, hein. Une petite douche. Ah non, tiens, vu que... Une petite douche froide, étant donné que tu n'as rien pu faire, finalement. Attribuer le côté gauche à Théoden. Voilà. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. T'arrêtes de te dandiner dans ta douche comme ça. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas se réenregistrer une vidéo? Évaluation de produits. Conseil de beauté. Conseil de mode. Il a très faim. On va régler ça. Il lui reste encore des restes. Par contre, il faudrait nettoyer un petit peu. C'est de l'eau, ça? Non? Ouais, c'est de l'eau. Qualité gâtée, de l'eau gâtée, voilà. Par Clément Givre. Le périvert. Je travaille aujourd'hui? Oui, tout à fait. À 2h du mat, on a l'impression qu'il fait jour. Après, quand il neige, ça fait souvent cet effet-là, les amis. Puis il y a beaucoup de lumière, on est en ville.
D'ailleurs, il a froid. Allez, nettoie-moi tout ça. Et habille-toi. Mets ta tenue d'hiver, comme ça au moins tu risques rien. Oui, le coma alimentaire. On connaît. Parfait. Il est temps de mettre ta tenue, cette tenue, pour aller dans le monde de la magie. C'est parti. Il faut qu'on monte en level, je veux le duplicato pour l'envoyer au travail à ma place. Ça, j'aimerais bien l'agrandir un petit peu quand même, ça sera plus facile. Toi, forme-moi. Salut militaire, bien sûr, parce que c'est comme ça que fait Harry Potter. Responsabilité. Une magnifique baguette magique. J'aime beaucoup sa baguette. Le gourdin magique, les amis, rappelez-vous. Il est là. Oui, je vais y aller. Ça met 3 plombes à monter. Ce dernier niveau. Enfin, c'est pas le dernier niveau, mais. Allez, va au travail. Là, il rentre chez lui pour aller au travail. Ou il va direct au travail et moi, il m'a juste ramené. Ouais, il est directement parti travailler, il m'a juste ramené. Ok. Donc demain, c'est le réveillon du nouvel an. La Saint-Sylvestre, comme on dit. Je n'ai pas pu atteindre votre boîte aux lettres. Oui. J'ai beaucoup de courriers, il va falloir que je récupère tout ça. On avait installé le diplôme, hein. On avait tout fait. C'était beau. Fantastique performance. Mais j'ai pas validé bizarrement l'indicateur de performance. Bon bref, prendre le courrier. Alors, qu'avons-nous? Ah, on a toutes les réponses de bourse. C'est bien ce qui me semblait. Sauf qu'on n'aura jamais ces bourses. Voilà, on les aura jamais. Il les a tous eus en plus. Et on les aura jamais. Pas été accordé. Ah si, celle-là, elle n'a pas été accordée. C'est que des résultats de bourse du coup. Tiens, salut. On va lui envoyer un baiser. Parce que respect des distanciations en cette période de Covid. Voilà. Ah non, mais c'est pas l'heure de discuter là. Alors, du coup, tu as faim encore comme d'habitude. Ça m'en fait des médailles. Comment je les installe dans ce truc là, je sais pas du tout.
placé dans le monde. Je vais la mettre là, mettre à part mettre dans l'inventaire. Je peux faire un copier-coller. Commune. Celle-là est commune aussi. Médaille du quoi? Du questionnement. Celle-là, c'est la médaille. Récompense ingénierie et construction. Cœur de la bravoure. Récompense l'excellence de l'équipe technique. Bon, arrête de manger trop. Sinon, c'est pas bon après. Par contre, laisse pas ça ici. Qu'est-ce que j'ai comme tâche? S'entraîner au combat avec d'autres Sims. S'entraîner à donner des ordres. On n'a plus, comme on avait dans les Sims 2, des... Ils demandent hein, d'atteindre un niveau de compétence en particulier, mais c'est plus aussi contraignant que ça pouvait l'être dans les Sims 2, où c'était vraiment des paliers à atteindre. Regarde ta télé. J'ai entendu dire que tu avais développé... Oh là là, arrêtez de me spammer. Non. Heureusement que j'ai dit de regarder la télé. C'est bon. Tu vas devoir malheureusement aller dormir dès maintenant. Et comme ça, demain... Voilà, tu travailles comme là c'est week-end. Tu vas pouvoir aller à Strangerville commencer les investigations. On va d'ailleurs changer tout de suite l'aspiration. Les mystères de Strangerville. Acheter une curiosité, examiner la porte scellée au laboratoire secret. Ok, on va faire tout ça. Allez, stop. Il a tout le temps un truc qui va pas. C'est incroyable. Alors. Sort impeccable pour être nickel. Voilà, c'est ça. Montre bien tes gougouttes à la population. Maintenant, tu t'habilles. Probablement en tenue d'hiver parce que sinon tu vas te les geler. Et on y va. Tu as peut-être... passer un petit coup sur les commentaires. Mettre à jour ton profil. T'es pas obligé d'aller là-dessus pour faire tes commentaires. Tu peux aller sur ton PC normal. Hein. Ça doit commencer à monter. Pas du tout. C'est fou. Ça monte pas du tout. Allez, direction. Non, tout seul. Strangerville. On doit examiner la porte. J'espère qu'on va y voir aussi des gens, qu'on puisse discuter avec eux. On était déjà venu ici. Malheureusement, on ne pouvait pas accéder à grand chose. Ah, en plus, il pleut. On va examiner la fameuse porte scellée. Il y a du bordel partout par terre. Je peux rien faire sur le bordel. C'est écrit en simlish. Défense d'entrée. Même si on voit bien que il se passe des choses dans cette base. Hein. Comme la zone 51, il y en a beaucoup qui pensent que le gros du bâtiment se trouve en souterrain.
Cette porte est verrouillée, elle semble nécessiter une carte d'accès. Quelqu'un en ville saurait peut-être comment en obtenir une. Fouiller le laboratoire se pourra rassembler plus d'informations. Chercher des preuves. Hé hé! On est là pour enquêter! Pour le scénario, hein, au cas où vous ne sauriez pas, les amis. Strangerville, c'est une ville où il s'y passe. C'est l'équivalent de Zarpville, hein, c'est une ville où il se passe des choses très bizarres. Photos floues, suspectes. Avec des genres d'extraterrestres dessus. Situé un dossier secret, vous trouverez des preuves en posant des questions, en fouillant le laboratoire secret. Ah voilà, c'est ce que je fais. C'est le petit côté X-Files un peu des Sims. Après, comment s'appelle Will Wright, le créateur des Sims, il ne s'est jamais caché il ne s'est jamais caché du tout de son appréciation, surtout de Lost. Il avait souvent dit qu'il appréciait beaucoup la série Lost. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les Sims 2. Hein. Ne serait-ce qu'Histoire de naufragés, par exemple, on ressent bien que c'était... Il y a quand même beaucoup de clins d'œil à la série Lost. Et puis également X-Files, les séries un petit peu extraterrestres, tout ça, il aime bien. Ça se sent. Bah déjà, il y a quasiment... Sauf dans les Sims 1, mais sinon, il y a toujours eu des extraterrestres dans les Sims. Hein. Et même sur PlayStation, les Sims sur PlayStation aussi. Tu pourrais fouiller un peu plus, hein, n'hésite pas. Pirater pour trouver des preuves. Je dois pas être très doué pour la. C'est bien en plus, on peut utiliser. C'est marrant hein, qu'ils nous laissent rentrer dans un labo secret comme ça. On est tout seul en plus, on a le droit de toucher à tout. Ils laissent des dossiers secrets par terre, classifiés. Ah voilà, je suis pas très très doué pour le piratage. Ça me donnera une bonne occasion de m'y mettre. Il a rien trouvé. Peut-être qu'un autre. En plus, j'ai pété l'ordinateur. Bah voilà, comme ça. Et je peux pas utiliser de Repario dessus. Vas-y, va pirater l'autre. On va péter tout leur PC. Tu vas pouvoir te faire à manger en plus. Il y a un super frigo, hein, ils déconnent pas ici. Ils ont mis du bon matos. Petite salade de fruits, tiens, ça te fera du bien. Ah oui, c'est vrai. On verra plus tard. Résolution, le décompte jusqu'à minuit, la résolution, et puis décorer, on va pas le faire. Esprit, l'état d'esprit fait tard, ça il faudrait qu'on essaie de voir avec des gens. Bon, j'ai encore pété l'ordi, hein. Un blue screen. Faut pas le laisser toucher à des ordinateurs. Mais il va peut-être enfin hein, obtenir des informations sur son frère. Prendre une photo. Ça c'est... C'est quand même bizarre. Comme plante. Mais il va enfin obtenir des infos sur l'origine de son frère. On entend un genre de petite musique ou je sais pas quoi. C'est peut-être les machins là qui font du bruit. Où c'est ces trucs là? Je sais pas. En tout cas, ces plantes là qu'on a pris en photo, elles poussent vraiment partout ici. C'est un peu bizarre. C'est pas rassurant. Allez, tu vas aller en ville. Discuter un peu avec les gens. Centre d'information, et ben c'est parti.
Il y aura bien des gens à questionner. Ça me rappelle les Sims sur les Sims 2 sur PSP. Ils sont super, hein, le scénario est vachement sympa. Avec Charlatan, puis la meuf là qui est une robot. Tout tourne autour des secrets dans les Sims 2 sur PSP. Il faut trouver le secret de tout le monde. Il y a une meuf, son secret c'est de se laver les cheveux avec de l'huile de moteur. Et c'est comme ça qu'on découvre après, plus tard, que en fait c'est un robot. De curiosité, celle-ci pourrait peut-être vous intéresser. Oui, il faut que j'achète un truc là-bas apparemment. Il y a plein de petits gamins ici. On va leur poser des questions. Oh là là, toi t'es bizarre toi, Victor Feng. Je t'ai pas déjà vu toi en ville? Même que je trouvais que tu faisais une drôle de tête. Il paraît qu'il se passe des choses dans le laboratoire. Il y a les militaires qui traînent dans les parages pourraient sûrement vous donner plus de détails. Bah, j'ai pas vu de militaires malheureusement. Boutique des curiosités, inventaire secret. Bon. On va partager un peu la chanson du jour férié, notamment. Une imitation. Faire connaissance, ça compte. Ça compte. C'est vrai que faire des connaissances à la Saint-Sylvestre, ça marche. Niveau 3 de charisme, faire tourner la crécelle. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. C'est ce qu'elle fait aussi. Oh là là, dis donc, ouais, c'est la fête. Hein. C'est le bordel même, je dirais. Jeter des confettis. Partager l'esprit. Matérialiste. Voilà, nickel. J'ai l'état d'esprit, donc c'est bon. Prendre la résolution, ça, on peut le faire. C'est la première fois qu'on a à faire ça, je suis pas sûr. Je crois qu'on avait déjà fêté une fois Noël, hein, déjà, au tout début. Obtenir une promotion dans un délai de 7 jours, c'est absolument facile à tenir. Ça devrait se faire tranquillement. Bah voilà, j'ai tout validé, c'est parfait. Tiens, on va questionner la charmante demoiselle qui se trouve ici. On se connaît ? Nancy Pleonas, d'accord. J'allais dire pléonasme, mais non. Pleonas. Elle a de ses obus. Pouh ! Oh là 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 ! Il y a du monde au balcon. Bah, va lui dire bonjour. Présentation chaleureuse. J'ai piqué son fauteuil, hein, bien sûr. Il paraît qu'il se passe des choses apparemment. J'ai une bonne réputation à force de poser des questions. Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais j'en sais pas plus pour l'instant. Haricot vert. Photo floue suspecte. J'ai pas d'autres preuves ? Yes. J'ai pas d'autres preuves pour l'instant. Je ne sais que faire de plus. Acheter, on m'a dit, une curiosité. Il faut que je parle avec une dernière personne. La petite dame qui est à côté, qui lit des bouquins. Qu'est-ce qu'elle est ? Bibliothécaire. Elle en sait peut-être beaucoup plus sur l'histoire de cette ville. Ah, elle peut s'asseoir en face de moi sur la table basse. C'est la première fois que je vois ça. Ah, mais en fait, c'est considéré comme un fauteuil, ça, d'accord. Le bar local est connu pour accueillir des militaires en vient de se détendre après une longue journée à la base. D'accord. C'est entendu. Alors, il faut pas confondre le laboratoire et la base, je suppose. Ça n'a rien à voir. Qu'on me dise pas n'importe quoi. La boutique des curiosités, du coup. Il faudrait qu'on s'y rende. Allons-y. Sans plus tarder. Ne perdons pas de temps. On rappellera ces personnes, hein, surtout celles qui sont les plus sympathiques. Ça doit être celui-là. La boutique des curiosités. Donc la base est ici, le laboratoire dans le cratère. Je pense que ça doit être ça. C'est parti.
Alors, c'est ici la boutique des curiosités? Non, il s'appelle juste Repos, le bar. Donc, on va se préparer, non pas se préparer, se commander une boisson. Sa boisson préférée. Je sais même pas c'est laquelle. Une que j'ai dû commander plus d'une fois. 25 boules. Qu'est-ce que c'est du coup? Ah, militaire. Ah, on est tous les deux militaires du coup, ça va être plus facile pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Je dois te poser une des questions les plus importantes de notre époque. Tu es prêt? Ok, la voici. Est-ce que le hot dog est un sandwich? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Évidemment que le hot dog est un sandwich. Il y a du pain. On y met à l'intérieur une saucisse avec de la moutarde. Pour moi, c'est un sandwich. Non, c'est faux. Je ne sais même plus qui tu es. T'es sérieuse? Toute personne demande. Elle est sérieuse, elle? Mon épreuve aux scientifiques militaires, ça vous dit quelque chose? Bah justement, moi je pose des questions. On fait tous les deux partie de l'armée, donc. Je peux lui faire un discours inspirant, surtout qu'elle a pas l'air d'être. Elle a l'air d'être relativement gradée quand même, hein. Parce que elle a une tenue. On a donné l'ordre de ne rien dire concernant le laboratoire secret. Je ne peux pas partager ces informations avec n'importe qui. Apprenons à nous connaître dans ce cas. Ah, il y en a une autre là. Présentation militaire. Ça me fait des connaissances supplémentaires et ça me permet de poser des questions. Parler de Stranger Things. Les militaires qui ont au moins, ils sont au moins peuvent obtenir une carte d'accès à la zone d'accès restreinte du laboratoire utilisée simplement. Ah, c'est bon à savoir ça parce que du coup, je suis bientôt adjudant moi. Je suis bientôt adjudant. J'ai entendu dire que les civils avaient déjà trouvé des moyens d'en obtenir une. Ah, ça, c'est tout l'armée, ça. Toi, t'as l'air moins gradé, toi, déjà. Je te donne l'ordre de me donner des informations. Vous pouvez obtenir une carte au sous-sol du laboratoire secret si vous rassemblez assez de preuves des événements étranges qui ont lieu dans cette ville. Excusez-moi. J'ai une petite poussière dans la gorge. Allez, va pisser. Et puis je crois qu'on a suffisamment fait pour aujourd'hui. J'aimerais juste aller à cette fameuse boutique. Se trouve près du terrain pour Mobilhome. D'accord, très bien, j'ai l'info, j'aurais peut-être dû regarder avant. Ça m'aurait évité de galérer pour rien. Donc le terrain pour Mobilhome, c'est celui-là, je suppose. Je vérifie, hein. Habitat 42. Il y avait la zone 41 dans les Sims 2 sur... sur PSP, si je me rappelle bien, c'est 41. Référence, bien sûr, à la zone 51. Et là, l'habitat 42, je suppose que c'est un clin d'œil aussi. Alors, le stand, où est-il? Allez au bar. En fait, j'étais juste en face, d'accord. Oui, c'est vrai que sur la carte, il était juste en face. Frappé à la porte, personne ne vit ici. Oh là là! Essayez de parler à Ted. Ted! Ça va, monsieur? T'as picolé? De toute évidence, il a picolé, ce monsieur. Rejoignez-nous, mangez le fruit de la mer et vous connaîtrez la paix. C'est les espèces de plantes là que t'as touchées? Faut pas, hein. Oui, il est mouillé, il est fatigué, il a tout qui va pas. Je veux juste le stand. Où est-il?
près du terrain à Mobilhome. C'est... Près du terrain à Mobilhome, il y a un stand. Où est ce stand? Sachant qu'il n'y a personne ici, ça doit être la maison de Ted. Ah, il est là! Inventaire secret. Ah ouais. On va lui parler, puis on va acheter une curiosité. On va faire gaffe à pas prendre une plante, parce que j'ai pas envie de finir comme Ted. J'ai convaincu un scientifique de montrer des preuves des opérations secrètes en cours ici à Strangerville. Eh ben vas-y, envoie. Alors, éviter d'être surveillé, donc un genre de truc Illuminati. Emily Grr, d'accord. Invention top secret de cristal vu. D'accord. Lampe à lave. Une lampe à lave, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Les mystères, jamais révélés. Micro-espionnage, 51 M5. Placé. Ah oui, c'est un micro, d'accord. Ça peut être intéressant, ça. On va peut-être pouvoir avoir l'occasion d'en placer un quelque part. Moi, j'aurais envie d'acheter le micro, moi. Nickel. Donc, on a passé une étape, déjà. Il faut qu'on ramasse plus de preuves, constituer un dossier secret. Donc, pour ça, il nous faut les 15 preuves. Ouvrir la porte scellée. Il nous faut une carte, et normalement, avec un dossier. Et puis, en passant... Adjudant, je devrais être bon normalement, donc on va pouvoir rentrer à la maison et mettre fin à cette petite vidéo, les amis. Je m'empresserai bien sûr d'en retourner pour qu'on puisse continuer cette aventure. Je ne connais pas, avec aucun des Sims que j'ai fait, avec les Sims que j'ai fait jusqu'à maintenant sur le jeu, j'ai beaucoup joué, longtemps, mais j'ai même pas encore été sur Batuu. Je n'ai pas non plus fait Strangerville, enfin le minimum quoi, vraiment, bah, là déjà j'ai été plus loin que j'avais pu aller avec n'importe quel autre personnage. Donc non, franchement je pense que ça va être très sympa. On va essayer aussi de faire des enquêtes paranormales puisque maintenant il y a cette nouvelle extension, on va pouvoir en profiter. Et puis j'espère, il y a d'autres extensions qui sont en cours de préparation, j'en ai pas trop entendu parler, donc je saurais pas trop vous dire, les amis, en quoi est-ce que ça va consister, quelle sera la teneur de ces futurs packs. Mais on s'empressera bien évidemment d'y jouer dès que ça sortira. En attendant, les amis, je vous invite à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, surtout si vous êtes tombé sur ma chaîne grâce à cette vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et bien sûr à regarder les autres vidéos que vous pourrez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas juste en dessous. Vous devez avoir normalement, dès que vous allez sur la page principale de ma chaîne, oui, mon amitié, dès que vous allez sur la page principale de ma chaîne, vous pouvez voir normalement mon nouveau let's play sur Demain ne meurt jamais. Je vous invite à le regarder, je vais poster la suite dans très peu de temps. Salutations de l'infini !